Bonjour à tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir garder le bébé d'une amie ? Confié pour la première fois. Et est-ce qu'elle avait oublié d'amener le doudou ? Dans ce type de situation, il y a deux groupes de personnes. Celles qui tolèrent les pleurs et attendent patiemment que la maman rentre. Et celles qui cherchent des solutions pour que le bébé s'arrête de pleurer. Moi, je fais partie du deuxième groupe. Et heureusement pour moi, j'ai plus de copines en âge de faire des bébés. Et je ne suis pas sûre que je leur proposerais de le garder si c'était le cas. Je suis infirmière en pratique avancée. Je travaille dans une équipe mobile au sein d'une filière de réhabilitation psychosociale auprès de personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique résistant. Cela touche environ 20% de nos usagers. Ces personnes, elles sont la plupart du temps hospitalisées au long cours dans des unités de soins fermées. Alors lorsqu'on commence à imaginer de les accompagner sur la voie du rétablissement, on se heurte à toutes sortes d'obstacles. Le premier, c'est d'aller les dénicher dans ces unités. Vous conviendrez que c'est un peu compliqué. Les soignants qui les accompagnent les connaissent très bien et sont persuadés d'avoir tout essayé. Alors de là à imaginer qu'ils puissent se rétablir, pas de panique. En réhabilitation psychosociale, on a plein de ressources. Bilan des courses, on s'est dit qu'il nous fallait une équipe mobile. Pour aller vers eux, les patients et les soignants, dans les unités, les rencontrer et puis se déplacer avec eux. Les rencontres avec ces patients, elles nous ont permis de répondre à plein de questions qu'on se posait. Premièrement, pourquoi ils résistent ? Eh bien parce que ces situations complexes, elles nécessitent de s'y mettre à plusieurs, en interdisciplinarité, pour construire un projet individualisé avec le patient et le soutenir tout au long de sa mise en œuvre et tout au long de son parcours. Nous avons également observé que ces patients revenaient rapidement à l'hôpital après leur sortie ou dans l'unité fermée après un court transfert en unité ouverte. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce qu'on avait complètement oublié de considérer l'importance des liens et de la transition. Alors, c'est devenu notre spécialité, l'équipe mobile de transition et d'accompagnement au rétablissement en psychiatrie, l'étape. On peut lancer la vidéo. C'est comme ça que nous partageons et qu'à un moment du parcours de la vie de Monsieur T, hospitalisé depuis 10 ans sans son consentement dans une unité fermée. Au programme, une rencontre avec lui, avec l'équipe qui l'accompagne, et puis des balades, des parties d'échecs, quelques modifications thérapeutiques, de courts séjours d'essai, puis une admission paisible et réussie en unité de réhabilitation psychosociale depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous continuons ces rencontres autour d'un échiquier ou d'un ring de boxe et nous les poursuivrons jusqu'à l'aboutissement de son projet de vie à l'extérieur de l'hôpital. Ou encore la rencontre avec Monsieur B après une hospitalisation de 17 ans qui a quitté l'hôpital vers un appartement en maison relais. Chaque composante du projet a été accompagnée dans sa mise en œuvre, puis évaluée pour son efficacité et son utilité avec lui, jusqu'à ce qu'il se passe bien volontiers de nous. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de garder le bébé d'une copine. Je vous remercie.